Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le combat quotidien de Summence au Ghoul Terminator, donc je vous passe la petite intro et puis on est parti. Et voilà, on se retrouve sur l'écran de combat. Donc il va s'agir de Summence A contre Mani-A. Donc on est déjà au 13e jour. C'est le quatrième combat si je ne m'abuse. Ouais, je pense. Attendez, je vais vérifier. Voilà, normalement ils ont déjà fait trois combats. Oui, on est déjà au quatrième combat. Summence a pour le moment deux victoires parfaites et une défaite en ayant fait un mort en face. Et Mani a deux victoires, une à 3 contre 1, enfin 3-0, une défaite 0-4 et une victoire 2-0. Donc Summence techniquement à l'avantage. Je vais faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas de remplaçant ou quelque chose comme ça. Donc alors Epsilon, si Epsilon c'est le remplaçant SRAM. Nous avons Laisse tomber les Caflip titulaires. Nous avons toujours Roland Ninilé, Niripsa et Robinator, mon ami, qui était venu commenter avec moi l'autre fois, qui est aussi le Kra remplaçant du côté de Summence. Donc deux remplaçants du côté de Summence et deux titulaires. Du côté de Mani, alors je vais vérifier. Xelmed, oui, il est titulaire. Darkness est nu, titulaire aussi. FOL, oui. Titulaire et Nanimo titulaire. Donc ouais, on a toute l'équipe AA, on va dire entre guillemets, et deux remplacés du côté de Summence, mais Robinator avait fait un très bon combat l'autre fois, on peut s'en souvenir. Et bah, je pense qu'on va avoir un beau combat des deux côtés. L'arbitre donne le feu vert pour commencer le combat. Dès que ça va commencer, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer le petit tour des résistances. Donc du côté de Xelmed, enfin du côté de Mani. Voilà, belle résistance fixe là du côté de Wealth. Voilà, aussi de grosses résistances fixes pour Darkness et Nu. Et du côté de Summence, bah, c'est les résistances habituelles. Voilà, Epsilon, Roland. Et Laisse tomber, quoi, aussi sorti le gros stuff résistance. Et par contre, j'ai pas de son. Ouais, non, c'est normal, c'est parce que j'ai baissé le son. Je suis en train de me dire, c'est pas normal que t'aies pas de son. Si, si, c'est normal. C'est moi qui l'ai désactivé. Donc voilà. Premier tour, on reçoit la. Oh, pardon, j'ai oublié de vous remettre le stream. Donc ce qui s'est passé, je vous remonte. Il a fait son tir éloigné. Il y a des faiblesses qui ont été mises du côté de Summence. Et, ainsi qu'un cadran. Et il a mis une poussière temporelle histoire d'enlever un peu de PA. Et il tape sa punitive dans le vent, tandis que du côté de Mani, elle arrive à placer sa punitive et son expiation sur Robin, enfin Robinator, et fait quelques dommages. Voilà, elle a fait un petit peu. Et comme ça, il a l'état pesanteur. Alors on voit Curry a gagné le match, félicitations. Et une flèche cinglante. Donc Robin aura pris un peu de dégâts, mais Roland Nini va pouvoir le soigner sans trop de problèmes. Un piège de silence, poison insidieux est placé là-bas au bout, donc ils ont une énorme portée. Donc je pense que Summence, comme ils ont une team Eni et en face c'est une team Xel, je crois qu'ils vont focus vraiment le Xel. Donc voilà, le piège répulsif qui est. Enfin, la SRAM marche dedans et enclenche le piège de silence. Donc à mon avis sur toute la team, je vais vérifier. Donc sur le Xel, sur le Kra, sur la SRAM. Et sur les nids. Donc voilà, ils vont déjà dealer pas mal de dommages parce qu'on a pu voir que les SRAM R faisaient extrêmement mal depuis le début du tournoi. Et ben voilà, c'est au tour de la SRAM qui sont tout simplement voilà. Elle a utilisé tous ses PA, elle s'est pris du 429 dégâts de loin. Ça. En gros, il se tue lui-même, donc c'est franchement pas mal. Ça va être au tour de Roland Nini qui s'est bien placé pour son mot stimulant. Elle va sûrement invoquer le Doppel et le Lapino, je pense. C'est ce qu'elle avait fait l'autre fois en tout cas. Non, par contre, elle enclenche un piège. Non, elle n'a pas mis le Doppel. Elle le pousse pour mettre Robinator à l'abri. Et elle lui met un mode régène, coup critique.
Et un mode épine sur elle-même qu'il faut aussi décrire. Donc on a une Inirypsa qui est un peu chanceuse pour le moment. Voilà, le Lapineux qui fait un peu de soins sur Robin. Oh là là, la zone. La zone qui est offerte, le remblai qui fait enfin, qui fait des dégâts, pas énormes. Mais bon, l'ennemi s'est pris aussi cher grâce au mode épine que c'est nul. Ah non, il a reçu 0. Comment ça se fait? Ah, c'est ses résistances, je pense. Ah ouais, il a pris 0 dégâts. Pas mal. Alors, un sac animé qui est mis sur la team de Manny. Sur tout le monde sauf la SRAM. C'est au tour de Laisse tomber qui va sûrement booster à fond avec avec sa perception. Avec. Non, elle met Bond Félin sur Robin. Il met 3 PM. À mon avis, c'est pour que Robin puisse aller taper et revenir sans prendre de dégâts. Il invoque un Doppel-Eka. Il fait sa roulette sans en soin. Et une perception en zone qui rend 22 dommages, donc beau jet. Et qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il fait une roue de la fortune. Voilà, donc il prend 315 de dommages. Donc voilà, une deuxième roulette qui est lancée grâce au Doppel EK, ça c'est bien. Faudrait qu'il bouge par contre le. Ouh là là là, il tape super fort. Il a fait du moins 200 avec les bluffs, quoi. Il a presque tué le cadran. Le cadran qui reste plus 400 PV. Donc là pour le moment la team de Manny profite de la zone pour faire des gros dégâts en zone. Enfin des gros dégâts. C'est du petit poke, hein. On tape, on tape, on tape, mais à force ça va commencer à faire mal. Donc Summoners va devoir faire attention parce que bah, limite ils ont un Nini de l'autre côté, enfin du côté de Manny ils en ont pas. À mon avis, ils ont au moins un personnage à l'archétype. On a pu voir que c'était un arc qui était très utilisé pour les combats comme ça. Voilà la flèche explosive qui est tapée sur les deux pour péter le sac animé. Donc voilà, Robin a pu déjà retirer le minimum de bouclier qu'ils avaient en face. Et il prend un peu de dégâts à cause du piège de silence. Peut-être qu'après le combat, j'essaierai d'avoir Robin pour avoir ses réactions à chaud après le combat. Ce serait cool. La maîtrise d'arc, l'œil de taupe en zone. Donc là, par contre, la créa, elle s'est vraiment soignée. Elle est remontée full life. Elle enlève 6 PO à toute la team de Summons. Ça, par contre, c'est pas très cool. En fait, c'est le tir éloigné qui est totalement oublié. Donc là, je suis sûr que Summons son sous-script sont en train de se dire: putain, faut bouger de la zone. Là, c'est pas possible. On est en train de prendre trop cher. Et par contre, le SRAM fait quand même vachement mal avec son piège de silence. Hein. On peut voir qu'il monte plus de 400 de dégâts. Il joue piège répulsif, il continue poison insidieux. Voilà. Donc je crois que le SRAM va jouer comme ça avec des trucs pour faire des dégâts qui savent pas éviter pendant tout le combat, je pense. Et Alistair qui dit directement: ça pue le match nul. Non, moi je ne pense pas. Puisque du côté de Sumi, ils ont un soin et normalement, ils ne devraient pas en avoir du côté de Mani. Voilà, toutes les vitas de tout le monde commencent à baisser. Alors Spec qui est là en plus, qui a laissé sa place à mon avis à Epsilon, puisqu'il avait fait tous les combats jusqu'à maintenant, donc c'est cool de sa part de laisser jouer le remplaçant. Voilà, les dégâts de Epsilon qui continuent de faire mal. Les vitas qui baissent, mode de rien, donc Nanimo 3100. Bon, je fais un petit tour sur tout le monde, 3300. 2600 sur Robin, lui c'est celui qui a pris le plus cher. Ewelf, Epsilon, 2500 le SRAM, il a pris quand même cher. Bon, là vous voyez pas parce qu'il est invisible. 3200 sur Nanimo, 3600 sur Roland, 3500 sur Darkness et 3200 sur Les. Donc heureusement, Roland Nini qui fait des bons soins, le Lapino qui fait aussi des bons soins grâce à la roulette. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir droit à deux roulettes par tour à chaque fois, tant que le Doppel-Eka est vivant. Et de toute façon, tant que Laisse tomber aussi est vivant, ben on aura droit à sa roulette. Qui, on a pu voir, est assez conséquent, surtout sur les phases où c'est du rock. Imaginez, vous sortez une roulette 40 dommages et le Doppel, une roulette 40, 400 agi le même tour, ça peut être super violent. Et j'espère que ça ira. Donc là par contre, le coffre animé qui est tapé, histoire qu'il fasse plus de dégâts, voilà. Donc un Inu qui joue avec les invoques, c'est marrant.
Et j'ai déjà eu un coffre animé en PV, mais je peux vous dire que ça fait mal quand c'est boosté. Vous le descendez à 20 ou 30 de vita, et là il commence à faire super mal. Par contre, je sais pas si c'est un vol de vie ou si c'est des dégâts fixes. Par contre, ça je saurais pas vous dire. Un odorat qui est placé, la roulette qui donne 50 de fuite et un odorat sur Robinator et laisse tomber histoire d'avoir plus de PM à ce tour-ci pour se rapprocher pour le tour prochain. Et je crois qu'au tour prochain ils vont commencer à taper. Là par contre j'ai... C'est bizarre parce que ça griffe joueuse, on aurait dit que c'était une niveau 1. Non. Non, c'est bizarre. Il a vraiment pas tapé fort. Par contre, EOF qui a vraiment rien pris quoi. Je vais regarder les boosts. S'il n'y a pas des protections. Non, c'est vraiment les résistances fixes qui font super mal. Voilà, par contre, j'ai pas regardé ce que le Doppel avait fait. Bah, il a tapé avec Pilou sur un animal qui est ici et qui est pas encore passé invisible. Donc elle garde son invisibilité tandis que Epsilon lui l'a toujours. Donc des deux côtés ils ont pas vraiment beaucoup de placement, enfin de déplacement surtout. Là par contre on peut voir que Xelmed a pris quand même cher avec le piège de silence. Donc mode de rien, la team de Summit grâce à leur sam vont quand même réussir à dealer pas mal de dommages avant même de pouvoir les taper. Voilà, une punitive qui est placée sur Xelmed. Robin qui se prend un petit peu de renvoi de dommages, voilà. Il y va, hein. Flèche cinglante, flèche immo. Et il reste un PM, voilà, il reste plus que 2000 PV à Xelmed. Donc c'est à ce tour-ci qu'on va sûrement voir s'il y a un archétype du côté de Mani. À mon avis, ouais, c'est Welf qui joue avec un archétype. Mais c'est vrai que techniquement il devrait pas avoir de perso feu à part le Xelor en fait. Donc s'il tue le Xelor, il devrait plus avoir trop de soucis je pense. Puisque eux voilà ils ont un soin constant entre guillemets. Airwolf qui se place là histoire de bloquer la ligne de vue à laisse tomber et à Robin et pour pouvoir placer sa punitive. Donc là par contre Robin qui prend super cher. Et Airwolf qui prend cher aussi hein, avec le piège de silence. Voilà, vous utilisez des PA, ben vous prenez des dégâts, c'est pareil. Ouh là là. Attendez. Il y a Laisse tomber qui a été poussé par Epsilon et qui l'a mis dans un piège mortel. Ça, par contre, je crois que c'était pas prévu le fait qu'il soit dans un piège mortel. Donc Summoners va devoir faire attention à ce tour-ci. Parce que ils vont prendre pas. Enfin, ils sont quand même tous bas de life. Donc voilà, il a perdu des dégâts. Par contre, Epsilon est spotted. Robin qui prend très très cher. Donc de toute façon, Rolandini joue après. Donc je pense qu'elle va devoir jouer vraiment un tour soin et protection. Parce qu'il reste déjà plus que 1100 PV. Alors que le combat avant qu'ils avaient joué avec Summoners A, enfin le deuxième combat, donc le premier de Robin. On avait pu voir une team qui avait pas du tout focus Robin et au final bah, c'est eux qui avaient eu mal parce que Robin avait fini full life et il arrêtait pas de taper des punis, des expiations en face, il faisait super mal. Et donc maintenant à mon avis, ils savent bien que c'est le crack qui va sûrement faire un des plus gros dégâts donc il va devoir faire très attention. Mode Juvent sur Roland Nini, elle se décale et là à mon avis elle va soigner. Voilà, niveau moi soignant, voilà, du 221, c'est pas énorme niveau soin. Mais bon, c'est déjà ça. Elle aura pas su faire grand chose. Voilà, donc Robin qui est seulement remonté à 1500 vita. Donc faut faire attention du côté de Summoners de ne pas perdre un personnage trop rapidement. La corruption qui est placée sur laisse tomber, donc laisse tomber qui va laisser, enfin ouais, qui va laisser tomber justement son odorat, donc les plus 4 PA du tour qui était prévu. Le Nunu qui tape son coffre et donc on va voir tout de suite ce que va taper le coffre, attention, fait quand même du 200 et non c'est pas un vol de vie, c'est simplement des dommages fixes. Et le Doppel est nu qui fait pas mal de dégâts. Donc là, le Doppel de... Ouh, 50 coups critiques. Il fait des dégâts sur Nanimo. Voilà, il fait 3 bluffs coups critiques. Donc Robin va devoir faire attention. Il va devoir réussir à taper et à se décaler. Histoire d'être protégé. Le rollback qui est lancé. Ouh là là! Le combo! Et Robin qui tombe!
Oh punaise, le système de piège tellement bien. Waouh quoi. Sumed qui perd Obinator au début du quatrième tour. La super jeu de la part de Manny. Waouh. Punaise, laquelle il l'aura mis là? T'as Robin, il a rien vu venir. Moi non plus, j'avais rien vu venir. Un beau système de pièges, de deux pièges mortels. Super bien joué de la part de Manny. Je crois que c'était prévu. Ils sont bien entraînés, à mon avis, par rapport à ça. Et ils ont placé des pièges partout. Voilà, ils sont en train de prendre super cher du côté de Summons. Et ça va faire peut-être encore une défaite pour Summons. Ça, c'est dommage. Eux qui étaient premiers du classement, là, ça fait 2 jours qu'ils se font un petit peu avoir. Mais waouh, quoi, la technique de Manny, c'était juste épique. Jouer le rollback avec les pièges de SRAM, j'aurais jamais pensé. Et franchement, c'est vachement violent. Alors, le Doppel SRAM, qu'est-ce qu'il fait? Il tape à la sournoiserie. Il tape le Xelor, donc il tape le bon focus. Alors, c'est au tour de la SRAM. Mais bon, les vitas sont quand même basses aussi du côté de Manny. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de potentiel de faire des dégâts de loin. Alors que Summons, là, les K, ils tapent pas super loin. Les nids non plus. Et le SRAM, c'est pas ses gros DPS, c'est pas de loin non plus. Mais je crois qu'il peut faire le taf Manny de loin sans trop de problèmes. Ou alors foncer vraiment pour tenter l'écrasante. Ouh là, par contre, Epsilon qui est spotted. Et une invisibilité qui est mise sur Nanimo. Donc, à mon avis, il faut essayer de les rusher. Donc, Manny qui joue très très bien leur combat pour le moment. Le mot vampirique, bien. Le mot stimulant qui est placé de Roland Nini, histoire de donner 2 PA de plus. Il y a des pièges partout, hein, c'est exagéré. À mon avis, c'est un item de classe qu'elle a parce qu'elle a mis des pièges un peu partout. À mon avis, elle a un truc pour ne pas avoir de ligne de vue, je pense. Parce que c'est bizarre qu'il y en ait autant, en tout cas, sans qu'on les ait vus. Voilà, les moins interdits qui sont tapés sur Xelmed. Et des soins sur laisse tomber. Donc Xelmed qui a déjà plus que 1100 PV. Et il y a encore laisse tomber qui doit jouer. Et Xelmed qui va devoir faire attention parce que. Ah, mais non. Il y a déjà plus que 1000 vitas. Donc peut-être ce 6 humaine, ça arrive à faire un kill maintenant. Sur le Xel, il y a peut-être moyen qu'ils reviennent dans le combat. Mais bon, la team de Manny est quand même bien opti. Hein. Ils enlèvent 3 PM sur. Truc, le remblai qui est placé en zone qui fait aussi beaucoup de dégâts. Ah, attendez. Le Doppel SRAM, il est où lui? Ah ouais, non, il est ici en fait. Donc à mon avis, je pense qu'il pensait faire un gros rush sur Xelmed et puis des soins. Donc on va bien voir, à mon avis, Summons qui s'y attendait pas à perdre Obinator aussi rapidement. On va bien voir, c'est un beau combat pour le moment, je trouve, c'est varié. Là par contre, Nanimo qui bug et Epsilon qui prend aussi des gros dégâts. Il est déjà plus qu'à 1300 PV. La team de Manny qui fait beaucoup de dommages. Voilà, Dopelini qui. Non, il préfère taper le Lapino. Non, il continue de taper Epsilon. Voilà, Epsilon à 1250 HP. C'est au tour de laisse tomber. Il a seulement 2 PM. Donc il va pas savoir faire grand chose à moins de se décaler. Une roulette 400 agilité. Donc peut-être qu'Epsilon avec 400 agilité pourra peut-être faire quelque chose. Voilà, une cawotte. Une cawotte dans un piège. Il y a des pièges partout. C'est horrible le nombre de pièges qu'il y a sur cette map. Des boosts qui sont mis à un contre-coup sur Epsilon. Voilà, des bonds de félin pour se décaler. Et une maîtrise d'armes. Bon, je crois que non, plutôt ils vont jouer un peu plus défensif et tenter de faire un kill en un coup, je pense. De toute façon, le Xel va aller se planquer derrière, ça c'est presque sûr et certain. À moins qu'ils se disent justement, ouais non, on va essayer de le focus comme ça, 2 morts, et là, ils seront vachement bien. Mais c'est vrai que si Summons arrive à faire un kill, là, qu'ils reviennent à 3-3, ce sera le pilier, entre guillemets, de la team de Manny qui sera perdu. Et là, on va voir Summons qui va sûrement changer de tactique et jouer beaucoup plus offensif. Là, par contre, Roland Nini a assez de PM normalement pour se décaler et aller faire des mots interdits. Mais je crois qu'elle va plutôt faire du soin à sourcil parce que la team de Summons, c'est assez bad life.
Ewelf qui a sa flèche punitive. Voilà, oh là là. Là. Faut, les teams crasses, ça fait vraiment super mal, quoi. Boum, elle continue de taper. Boum. Et encore, oh là là. Ils prennent tellement de dégâts à la team de Summoned. Et Ewelf qui est pas du tout focus, hein, elle est restée tranquille depuis le début, elle se décale, elle tape ses sorts. En plus la map qui est pas vraiment facile pour les... Ah là là, Epsilon qui va tenter. Ouh, le coup de bague éternelle à moins 900. Xelmet à 137 HP. Alors le Doppelsram qui fait pas le taf, non! Dommage! Il a préféré taper le truc... Putain, si le... Ah non, je suis dégoûté. Si le Doppelsram avait préféré taper le Xelor, il aurait été tué par le Doppel. Ah, fait chier à cause de ce cadran de merde. Spera qui est en train de rager là dans les commentaires. Ah, c'est con, franchement. C'était bien joué de la team de Summoners, là. Epsilon qui avait fait beaucoup de dégâts. Donc là, Ronanini qui va vraiment faire beaucoup de soins ce tour-ci, je pense. Il faut, en tout cas. Attention, ouais, je crois. Soit il tente le kill, soit elle fait du soin. Non, je crois qu'elle a fait plutôt faire du soin. Mode jouvence. Ouais, elle fait du soin. Voilà, me revitalisant sur elle et sur Epsilon. Voilà, comme ça, l'Evita qui remonte. J'ai pas encore vu Denis jouer avec le mode sacrifice. Mais en même temps, vous allez me dire, c'est parce que ça met de l'érosion, c'est pas toujours bien. Mais j'ai pas encore vu non plus de Denis qui jouait vraiment full soin. Parce que voilà, 210 de soin, c'est pas énorme, surtout pour le niveau 200, quoi. Mais en même temps, vous allez me dire, les ennemis soins, c'est pas vraiment fait pour le PVP, même s'il y a d'autres qui vous diront ça, qui vous diront plutôt, ouais, je préfère taper moins et me soigner plus, ça revient au même que si tu tapais plus et que tu te soignais bien, donc au final, ben, c'est un peu pareil. Alors, go pouvoir contrôler les invoques. Ouais, c'est sûr que là, je pense que Dofus, ce serait une petite révolution si on pouvait contrôler les invocations. Je crois que ce serait mieux parce que l'IA a vraiment des fois des choix vraiment bizarres. Là par contre, laisse tomber qui va sûrement venir se décaler ici et jouer la perception. Normalement avec la zone, il devrait pouvoir détecter le... Oh joli! Le coffre qui est avec Summons. Attention, la roulette. 400 intelligence. Laisse tomber qui va sûrement foncer. Faire sa perception en zone pour pouvoir détecter le Xel. Et peut-être revenir dans la partie. Non, il ne trouve pas. Si, il tue Xelmet. Donc voilà, Summoners qui fait un kill aussi. Donc un kill de chaque côté au compteur. Donc chaque team aura au minimum 15 points. Puisque le fait de faire un kill, bon, on gagne 10 points en plus. Même si on est en défaite. Donc ça, c'est bien Summoners qui... Oh putain, il tape que dalle avec sa griffe joueuse. C'est monstrueux. Là, Summoners qui va jouer beaucoup plus défensif. La team de comment? De Mani qui est en train de remettre sa tactique en doute, donc c'est cool. Summoners qui revient dans le jeu, vraiment super combat pour le moment. Il y a vraiment de l'action, des beaux moves de chaque côté. Summoners qui va faire très attention au Kral, là, je pense maintenant. À moins qu'il focus un peu les nus, parce que les nus, bon, il a la corruption, il a le fait de pouvoir envoyer des PM, ça peut être un peu chiant, mais bon, voilà. Très beau tour de laisse tomber qui a réussi à retrouver le comment. En plus, les cas a profité, ouais, il a surtout profité de la, comment ça s'appelle, le truc fait comme ça, la langue râpeuse, voilà. Epsilon qui se décale, que va-t-il faire? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être foncer, par contre, il faudrait éviter de prendre trop de dégâts de la SRAM. Il a encore les PM pour se décaler, mais il ne saura pas taper d'Arcanium hein, qui remette des pièges. Il se décale. Ah, je sais, il met un coup de bague éternelle. Mais voilà, les résistances du côté de Mani sont là. Et on sent la différence. Le double qui a spoté de la SRAM, je pense. Voilà, la SRAM qui utilise CPM pour venir mettre un poison acidé sur Epsilon. Là, Roland Lini qui doit faire un gros tour de soin, je pense. Histoire de remonter toute la team de Summoners full life, ça ce serait très très bien. Et là, il pourrait passer à la phase offensive et essayer de one-shot un personnage. À moins qu'il continue à faire des petits pocs et vraiment faire un rush au moment où ils sont sûrs de le tuer. Pour pas faire trop de conneries.
Parce que là, la team de Manny se dit la même chose que ouais, il faut faire attention parce que ben maintenant il faut reculer. Ah ben voilà, un mode sacrifice, voilà, ça sonne beaucoup mieux un mode sacrifice. Ça met de l'érosion sur les nids, mais les nids n'est pas focus pour le moment, donc voilà, l'Evita de Sumeski remonte tandis que ceux de Manny qui baissent. Donc voilà, Sumeski revient vraiment dans le combat. Personnellement, j'ai cru que c'était désespéré directement quand j'ai vu que Robin s'était fait tuer. C'était un peu fini pour moi. Je vais un petit peu lui demander sur Skype comment ça se passe. Bienvenue. Franchement, continuer comme ça, c'est du beau jeu. Et est-ce que je pourrais avoir vos réactions à chaud à la fin du combat? Voilà, Robin, peut-être qu'il va pas me répondre, parce que, à mon avis, ils sont très occupés à réfléchir à ce qu'ils vont faire. La Kawotte qui est tuée, l'appel animé qui pousse Epsilon du côté de Manny. Donc il y a seulement Ewell qui va pouvoir taper dessus. Je crois qu'elle va avoir sa flèche d'expiation et sa puni. Ouh là là, ça va faire mal par contre. Il va essayer de one-shot Epsilon, je crois. L'appel animé qui a fait un très 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 beau move. Roulette 5 PO de la part de laisse tomber. Il se fait un odorat, donc là il va sûrement venir protéger Epsilon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a encore 9 PA. Voilà, il fait pour une perception pour retrouver la SRAM. Et un pile ou face sur Dark SNU, tandis qu'il y a le chaton qui va faire des petits dégâts. Il va le faire. Alors, elle se décale. Sur qui est-ce qu'elle va envoyer la sauce? Je penserais plus sur Epsilon parce qu'on a pu voir. Ouh là là, bah ça va en fait. Je pensais que ça taperait plus, il puisse prendre du 1100, donc il devrait quand même réussir à survivre. Il va sûrement faire un gros tour de dégâts sur les nuits et puis il va se casser. Je pense que je vais y arriver. Son invisibilité doit être revenue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Epsilon, piège répulsif, bague éternelle. Il lui reste 3 PM et seulement 1000 HP. Invisible. Ouais, à mon avis, il va jouer l'invisibilité. Voilà, il met un piège de silence. Il se planque. Et non, il joue pas l'invisibilité. Ça, c'est bizarre, par contre. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est un SRAM R, il a énormément de tacles, 100 de tacles. Donc là, la SRAM a fait une peur. Ça, c'est bien joué de la part d'Epsilon. Elle lui claque 2 PA dans le vent, puisqu'elle a essayé de pousser le Doppel, mais elle n'avait pas enclenché le piège répulsif. Donc ça, c'est bien joué. Elle se décale, elle vient taper 2 AM sur Epsilon, mais Epsilon qui ne meurt pas. Elle se met devant, Roland Nini devrait pouvoir venir faire des soins. Oui, ça va, elle a assez de PM, elle va faire un détour, elle va faire un mode recon sur Epsilon, je pense. Directement sans se poser de questions. Par contre, la SRAM qui va prendre des dégâts ce tour-ci. Voilà, le mode recon, plus 3000 Vita pour Epsilon. Donc Epsilon, ses jours sont sauvés. Il n'est pas passé loin, 57 PV. Le mot stimulant, donc la Suminski qui se met bien, un gros move de la part de Manny qui est bloqué. À mon avis, ils vont prendre super cher parce que Manny, les vitas sont assez basses. Donc voilà, 1900 pour Nanimo qui est bloqué au corps à corps à la team de Sumin, donc elle va prendre très très cher à ce tour-ci. Et Darké c'est nu qui a plus que 1700 HP. Donc à moins qu'ils tapent les nus, ouais, je pense qu'ils vont taper les nus puisque le sac animé est placé là. Donc l'ennemi n'est pas protégé, il va sûrement aller derrière, quoique. Il y a quand même que 600 de vie. On va bien voir. À mon avis, laisse tomber, va quand même essayer de taper la SRAM. Parce qu'elle fait extrêmement mal. Quoique, il a les PM, mais il pourrait aller sur laisse tomber. Mais laisse tomber n'a pas les PM. Donc il a 14 PA. Donc il va pouvoir. Ouais, non, il va pouvoir roxer sur un animo. Le sac qui se casse pour éviter la zone. Voilà, l'appel animé qui est assez chiante pour le moment. Voilà. Ouh là là, laisse tomber qui a 17 PA. Donc on va bien voir ce qu'il va pouvoir faire. Roulette 50 de retrait de PM. Pas très utile. Ça aurait été bien une petite roulette stat ou dommage. Alors,
Ça va faire mal. Donc il y va, hein. Destin des cas flip, il y va, il fait les dommages de poussée, il passe au-dessus du sac animé, voilà. Il doit lui rester encore 9 PA, il va encore pouvoir faire des gros dégâts. Tandis que Epsilon, lui, par contre, va être assez mal mis. Faudrait qu'il pousse la pelle animée. Parce que sinon, il va... Ouh, les pétoches. Oh, une pétoche. Ça fait longtemps, ça. 800 HP sur Nanimo. Ça va être au tour de Newelf. Le chaton qui se place pas trop mal. Je pense pas qu'elle va savoir le taper. Peut-être ici, je sais pas trop. Epsilon va jouer avant de toute façon. Je sais pas trop comment il va faire, par contre. Il va peut-être jouer l'invisibilité, je sais pas. Attendez, je vais mettre en mode créature pour voir comment il se place. Ah ouais, non, la pelle animée qui a un peu cassé Sumès dans son élan. Mais bon, je pense que Epsilon va savoir quoi faire. Peut-être une invisibilité d'autrui, une maîtrise d'armes. Voilà, il va faire peur. Non, il se décale, il arrive à taper à travers. Il reste 200 HP et un marteau de monde pour terminer. Voilà, Sumens qui prend l'avantage. 2 kills pour contre 1. Donc Sumens qui est vraiment bien revenu. Ils sont pas passés loin de perdre leur SRAM. Et c'est justement Epsilon qui leur sauve la vie. Voilà, 57 PV. Eh ben ouais, il y a des jours, ça joue à 8 PV près. Non, c'était même pas, c'était 3 PV et 6 PV. C'était un Xelor. Je pense que c'était contre Sumens en plus. Ça fait partie du jeu 57 PV. Et ouais. Voilà, Sumens qui est vraiment bien reparti dans la game. Je pense que ça a soldé par une victoire de Sumens. Ils font pas trop de conneries jusque-là, puisque voilà, ils ont Lenny qui peut toujours soigner. Epsilon qui est remonté full life. Voilà, elle y va au mode sacrifice, pas de soucis. Roland Nini qui fait vraiment son soin là. Me revitalisant encore et toujours. Pas de soucis avec ça. Alors, un mode d'envol sur Epsilon, histoire d'avoir plus de PO pour pouvoir aller claquer des arnaques. Mais quel talent Sumens. Ouais, c'est vrai que pour le moment, bon, on a droit à des beaux combats. Mais franchement, ce combat-ci, c'est un des plus jolis que j'ai vu jusqu'à maintenant. Par contre, qui dure assez longtemps. On est déjà à 33 minutes de combat, plus ou moins. Je dirais un peu moins parce que voilà, ils ont commencé quelques minutes en retard. Lenitrov qui pousse la crate mais qui fait une corruption sur l'estombé. Donc deuxième fois que l'estombé à son tour de bloquer. Par contre il a envoyé comment dire Ewelf, mais comme c'est au tour de l'estombé, il va rien savoir faire. Elle a assez de PM pour reculer, donc voilà, il lui a mis l'accélération. Le chaton qui a dealé un petit peu de dégâts à Ewelf. Donc elle va déjà utiliser ses pas pour pouvoir se dégager. Porte-bonheur, il a fait l'hier. On va à la cruche, allô, jusqu'à la fin, ce bar. Alors attention. Ouh là là, Ewelf qui fonce taper ses dommages sur Roland Nini. Ah, ils ont enfin compris qu'il fallait taper les nids. Bon, Roland, là par contre, Epsilon qui va foncer, il va profiter. Voilà, il y va à l'arnaque, au cac. Boum, 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 les gros dégâts sur Ewelf. Maintenant ça va être le gros DPS par contre à ce tour-ci. Roland Nini qui va même pas soigner je pense. Puisqu'il n'arrivera pas à le tuer. Et Ewelf qui va se faire dépop à ce tour-ci littéralement. Donc voilà, elle y va. Il lui reste 12 PA. Un coup de bague éternelle. Elle va y aller au moins interdit, je pense. Non, elle fait un peu de soin. C'est pas mal. Elle peut encore faire. Ouais, non, elle est assez tranquille pour le moment. Elle se fait un mot vitalisant, mot curatif. Voilà, elle remonte à 2200 PV. Pas de souci avec ça. C'est au tour de Linux qui est totalement bloqué avec le double SRAM. Le double du SRAM. Donc, à moins qu'il fasse une libération, je sais pas s'il a encore parce qu'il a utilisé le tour avant. Donc, il est totalement bloqué, le pauvre. Il ne peut rien faire. Donc on va bien voir. Non, il sait rien faire. Ouais, il va taper au roulage de pelle, voilà. Mais bon, ça fait pas énormément de dégâts parce qu'il y a des belles résistances quand même du côté de Sumens. Donc Ewelf qui va prendre l'assaut de l'estombé, qui devrait normalement trépasser. Ah, par contre, ça c'est bien joué. La retraite anticipée histoire de protéger entre guillemets Ewelf, et qui elle par contre va pas pouvoir bouger. Et qui va sûrement rater sa flèche d'expiation. Alors, roulette, moins 55 fuites. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait, ouais, il va mettre une caouette. Voilà, pour éviter la flèche d'expiation. Comme ça, elle ne pourra pas le pousser, puisque la caouette est indéplaçable, comme vous le savez. Alors, une équipe démon à dispo. Ça commence par mu, ça finit par l'âge. Je pencherais pour mulage, non?
Donc voilà, la flèche d'expiation qui va servir absolument à rien. Voilà, elle fait des dégâts en zone histoire de soigner un petit peu. Elle fait sa flèche de ralentissement. Par contre, voilà, le problème c'est qu'elle va pas pouvoir bouger. La cahuète qui est mise, mais je crois que. Voilà, un coup de bague éternelle. Et il n'y en a plus. Il a toujours 7 PA. Il y va à l'arnaque. Voilà. Epsilon qui fait un beau combat jusqu'à maintenant. 800 HP au elf. Enfin, 889. On va plutôt dire 900. C'est au tour de Rolandini qui va. Coup de bague éternelle. Feu, elle. Elle a encore 6 PA. Elle peut tenter le mot interdit pour terminer au elf. Non, elle y va à la flammiche. Vont-ils tenter le kill à la libé? Ah, c'est possible. On aura tout entendu. Oh, non, elle joue le mode préve en fait pour se sauver la life. L'Inu qui est encore une fois bloqué, qui ne peut toujours rien faire. Ouais, je pense qu'ils vont tenter le kill à la libé. Ah, bah, en fait, non, il a sa libération de 10 postes sourcils, mais ça ne lui sert à rien. Il aurait dû l'avoir le tour avant. Alors la maladresse sur le double, histoire qu'il puisse pas revenir, mais il pourra quand même revenir, donc l'ennemi va être encore bloqué le tour avant. Je crois que c'est très mal joué la libération à ce tour-ci. Toujours un PM, le double peut toujours venir, voilà. Ouais, l'ennemi qui joue vraiment pas bien pour le moment. Ça par contre, c'est. Ouais, ça va en fait. Il y a 3 PA, il va sûrement se faire un odorat et. Non, il va tout simplement aller la taper, ils vont pas jouer le kill à la libé. Roulette 5 PA. Va-t-il le faire? Monte félin, roulette, roue de la fortune. Ouais, je pense qu'ils peuvent le jouer, le kill à la libé. Ouais, voilà. Odora. Non, kill. Voilà. La libé, oui! Le kill à la libé de la part de Sumeds. Boum, je vous mets le petit message. Owned by Sumeds. Boum, kill libé, kill libé. On est revenu de loin. Laisse tomber qui fait le fou. On va lui envoyer un petit MP. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Sauvilège qui nous fait et cadeau pou. Owned by Sumens. C'est ça qu'on veut voir. Owned by Sumens, bitch. Laisse tomber qui est avec moi. Dis à Robin de louper son Skype. Je lui ai envoyé un message. Donc voilà. Encore mieux. Invite-moi. Convoi. Donc j'ai essayé de rejoindre la convocation, convocation bien, la conversation Skype plutôt, de Sumence. Ah, peut-être pour avoir les réactions à chaud et peut-être les réactions au combat, ça pourrait être cool. Et donc voilà Robin qui m'invite à rejoindre la conversation, c'est cool. La Oh, conversation. moi je ne pense pas Bonjour tout qu'il le y monde! Non, non, peut-être c'est pas que je pense moi. qu'on s'est Capi, lâché. Capi, en Oui? direct, on vient d'apprendre que notre stream n'avait Tiens, pas c'est 4, libé. mais. Salut! Salut tout le monde! Salut. Eh, on est en direct Ouais, là? vous êtes en direct. Ouais. Oh my god! Ouais. Ah. Eh, pas mal cette petite team poubelle, non? Ouais, franchement, là, vous m'avez vendu du rêve, les gars. J'étais au premier tour quand Romain t'est tombé, j'ai fait, oh putain, on est dans la merde. Ouais, on y voyait mal parti aussi. Ouais, mais franchement. Par contre, là, le kill à la libé, c'est cool parce que je peux sortir ma petite bannière, là, Owned by Sumen, je suis content. En plus, je me suis dit, non, il va pas le tenter. Je vois la flammiche de Roland, je me dis, non, il va pas le tenter, c'est pas possible. Par contre, là, ouais, vous êtes assez tranquille, hein, là. Essayez peut-être le dernier, ce serait cool. Ah, franchement, ouais. La double IB, vous êtes full vie, en plus, y a franchement. Ou alors, kill au mode frayeur, ça c'est pour être. Non, la IB. C'est le plus facile. Il y a qui a encore la libé là? Moi, prochain tour, je l'ai là. Ah mais ça Oh va. putain, je vais kill IB. Ah, l'enfoiré. Il met son. Ouais. Bah bon là vous êtes tranquille quoi, vous pouvez aller. De toute façon il peut rien faire, il a usé sa libé dans le vent, en plus il est Ouais, con. bah, de toute façon, le match il est plié là. Ah ouais non là c'est fini. Putain On n'a 57 plus rien à PV jouer. quoi. T'as Epsilon, tu m'as fait trop peur. Ouais, ça s'est joué un peu. Et il a bien joué le coup avec son SRAM pour l'obliger à viser ses PA. Ouais.
Mais par contre, putain, le système de pièges qu'ils vous ont mis avec le rollback, c'était bien joué, Bah, putain. c'est ce qu'on voulait faire au Et départ. On a hésité c'est à ce le qu'on faire voulait nous faire. aussi. Ah, mais j'ai jamais vu ça avant, en fait. Oh punaise, vous vendez du rêve, les gars. Franchement, vous sauvez le serveur, quoi. Parce que personnellement, franchement, j'ai cru que c'était mort, quoi. Tu te limais? Bah. Bah, limite, tu lui mets une arnaque et t'essayes le killiber, mais pousser Ah les gars, c'est du bon, double, quoi, tu vois. fini, c'est Vas-y, mort, c'est bon, c'est tu fini, le c'est fini. comme ça, c'est pas. Oh, tu libères les mecs, Ouais, non. killiber. Voilà. Oh Ouais, tu libères, merde! allez, c'est bon. Oh! Bah, on On l'aura a fait un, ça déjà suffit. placé, hein, on l'aura Ouais, c'est placé. vrai. On en a fait un. Putain. Ah là Non, là. bah, je suis un peu deg d'être mort quand même. Ben voilà, une Quel petite combat. victoire 3-0, donc 50 points pour Sumen, ça c'est bien. Mais quel combat. Ouais, quel combat. Franchement, un des plus beaux combats que j'ai vu depuis le début, hein. Ah, on est en train de m'appeler. Bon, ben voilà, je sais pas si vous avez une dédicace ou quoi à passer, parce que je mets directement la rediff en ligne si vous voulez revoir le combat. Dédicace à Ouais. navigateur. Navigateur, moi je suis ton plus grand Si, moi fan, mec. je fais des gros bisous à Mimi, moi. Voilà, bah. Voilà, nos petites dédicaces. Une petite dédicace à Wally Pierrot. Valou. Donc, merci à toutes les personnes qui auront suivi la vidéo. Sumens, toujours owned by Sumens. On garde le top 3, donc on est toujours là. Sumens n'est pas mort. Donc, on vous Easy. remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, encore félicitations à vous, les gars. Merci Sumens beaucoup. a Merci. 3e victoire. Donc, voilà, vous êtes Ouais. bien placés. Je vous passe la petite outro et on se retrouve peut-être plus tard pour un prochain combat ou demain pour une autre vidéo. Salut à tous! Ciao. Salut. On est en train de harceler au téléphone, je reviens. Bon les mecs, je vous laisse parce que moi déjà que c'était Bah galère. pareil. Bon allez. On m'appelle déjà pour du recrutement et tout. Des mecs d'un autre serveur. Un mec sur le serveur Google.